c'est les jambes qui doivent emmener le haut du corps et ensuite le bras. Ah, c'est les abdos. Là, c'est bah, les fessiers, les abdos qui vont ramener les épaules. Non. Trop tôt. Allez, remonte, remonte, fais l'effort. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça, mais tu vois, quand tu reviens, fais attention de pas avoir le javelot qui fait ça. Ah. C'est... Moi aussi, j'ai un problème de poids. Bah, là, sur cet exercice-là, à toi de ressentir la position de ton javelot par rapport au sol. Quand tu l'étires et que tu fais le retour, il doit rester. Là, il doit être là, il n'est pas parallèle. Voilà, mets le parallèle et étire le parallèle. Voilà, tranquille. Okay. Là, tu verras bien. Voilà. C'est de bon. Faut qu'arrive après à le faire avec un peu plus de décontraction. Encore, mais c'est pas mal. Après. Si on veut être vraiment tatillon, il y a un tout petit temps d'hésitation dans ton truc. On sent que tu es en train de réfléchir à ça. Donc, faut que tu t'habitues pour que ça se fasse un peu plus en liaison. Le dernier, après, tu fais avec une seule main. Tiens, voilà. C'est pas mal, ça. Ouais, alors par contre, exactement. T'as vu ? Là, le départ, c'était je vais tirer là. Oui. Donc, celui-là, avec, t'as les deux mains. Puis on enlève une et tu essaies d'aller tirer de la même façon. C'est pas parce que tu en as une maintenant qu'il faut que tu descendes ton javelot. Va l'étirer de la même façon. Voilà, t'enlèves une main, tu vas l'étirer pareil. Voilà. Ok. Moi, je préfère.